Bonjour. On vous a eu. Le prank était incroyable. Alors que normalement on dit bonsoir. Génial. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Souscrivez à l'abonnement. À dimanche prochain. Ça c'est des petits gags. Je jure, bien. Non mais qui mange pas de pain. T'imagines. Un gag, ça mange pas de pain. Des oiseaux éventuellement. Ah non, c'est une image, c'est une image. Bienvenue dans ce nouveau concept qui consiste, vous l'avez vu dans le titre, en un jeu de mots, jeu vidéo. Oh c'est revenu, on est revenu avec nos concepts de jeu de mots, jeu vidéo. Après Tweet Fighter, Street Fighter, Mario Kart Bleu qui va revenir, ne vous inquiétez pas. Voici donc un Star Wars. On mélange le jeu Star Wars Battlefront 2 qui est sorti il y a pas longtemps, qui est ouf. Et ouf. Instagram, vous connaissez, ça vient de sortir il y a pas longtemps. C'est pas du tout, les gens connaissent. Donc celui qui perd à Star Wars Battlefront 2 donne son compte Instagram à l'autre qui fait ce qu'il veut avec. Moi ça me fait de la peine déjà pour toi ce que je vais faire. Ah ouais carrément. Ouais. Bienvenue dans Star Wars, ça commence tout de suite. C'est parti. Oh. Donc, le jeu est sorti récemment, il est assez ouf et il y a surtout un mode VS où on peut être l'un contre l'autre c'est dans ça. Une map et on va s'affronter, on peut choisir des Jedi et tout c'est stylé. Ok vas-y on est en duel, on va sur quelle planète? Takodana, Tatooine, Yavin 4, Kamino, Naboo. Moi je propose qu'on commence avec Tatooine. Tatooine bien sûr c'est la planète connue dans Star Wars où les gens vont... S'abreuver de, voilà, de diverses substances. Pour boire des coups, allez sur Tatooine. C'est le meilleur endroit. Ah on va choisir nos joueurs. On va choisir nos joueurs bien sûr. Nos joueurs. Je prends Cloud, tu prends Sephiroth. Tu confonds les deux. Ah oui, alors, juste petite précision, je fais partie du côté obscur et McFly du côté clair. Alors, t'as 4 persos simples, c'est commando, soldat ouais. Loud, lourd, soldat lourd, en fait, c'est écrit juste ouais. Officier et spécialiste. Je propose qu'on commence à être un des 4 faciles. Je prends le Stormtrooper. Oh, 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 ça va vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu triches? J'ai pris un spécialiste. T'es déjà en train de tricher. Je t'en un truc. On est donc sur Tatooine qui apparemment, voilà, c'est un peu les vestiges de Marrakech si on observe bien. C'est vrai que c'est la place Jamma Efna. C'est Jamma Efna. Mais mec, t'es déjà là! Il m'a buté en un coup! La vitesse de cette partie! 19 secondes, c'est écrit, mec! T'as vu comme j'ai bien zoomé et tout? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais attends, surtout, c'est bizarre que je meurs en un coup comme ça. Ah oui, c'est trop. Mais sois cool, mec, pour la première, s'il te plaît. Vraiment. Mec, je suis mort en un coup! Ouais, mais tu sais, le concept de ces vidéos, jeux de mots, jeux vidéo, c'est du sadisme. Ok, j'ai une idée. Qu'est-ce que t'as tapé là? Plaza, pour Stéphane Plaza. Ça me fait déjà rire. C'est vraiment le plus doux que je puisse faire. Ok, j'ai trouvé une photo où il fait nickel. Non, je mets quand même un effet. Mets un petit filtre des familles. Avant de publier cette photo, je tiens à m'excuser auprès de Stéphane Plaza. Pourquoi tu... mais mets un truc cool. Ouais, oui, il va mettre un truc cool. Ah non, mais pas d'insulte et tout. Non. Non, non, t'inquiète. Pas d'insulte. Oh là là, non, c'est horrible. Oh non, arrête, c'est méchant, putain. C'est pas du tout la vérité, je ne ressens pas du tout ce que j'écris. Mais surtout moi, tu sais bien, sur mon compte. Oui, d'abord je me dédouane moi. Ah ouais, d'accord, c'est genre, c'est parti quoi. Mais mec, la photo épique, c'est... Lui, sincèrement, il me casse les couilles au plus haut point. C'est horrible, c'est gratuit. C'est gratuit, sincère, tranquille, gratuite. En vrai, ça me fait un peu chier déjà. Il y a déjà 100 likes. Hein. 5 commentaires. Ah. Il casse des couilles à la France entière. Oh non. Je tiens à dire, Stéphane Plaza, si tu regardes cette vidéo et que tu vois cette photo, c'est... je suis pas un immense fan, mais jamais j'aurais fait ça de ma vie. Moi non plus. Bah du coup, c'est ce que... Hein? Non! Partie suivante! On se prend une autre map, d'autres ouais, persos? Ok. C'est toi qui t'en charge. Moi j'essaie de plus prendre un perso qui meurt en un coup quoi. Et on sait qui choisir pour ça? Non. Ça marche. Alors on va aller sur Yavin 4. Je vais prendre un Rocket Jumper. Rocket Jumper, on y va. Et je prends Rocket Trooper si tu prends Rocket Jumper. Alors attends, il faut que je tombe. Regardez mesdames et messieurs. Oh là là, la beauté. Oh attends, je suis en train de changer d'arme, ça n'a aucun sens ce que je fais! J'arrive pas du tout! Ils arrivent! Je sais pas où t'es! Je sais pas où t'es! Ça me rend fou! Je suis là! Mec, regardez bien! Attends, s'il te plaît, pause! Une vraie pause, entre amis! Arrête! Non, mais mec, arrête, c'est dégueulasse! Non, ça c'est nul! Ok. Mec, ça c'est horrible! Ok. Regarde bien ouais. Ce que je vais regarder en haut. C'est pas magnifique? Ça, c'est vrai que c'est beau. On y retourne? Non, putain, mec, arrête! T'es sale! T'es. Non! J'étais en train de te niquer de notre niveau de. Tu m'as empêché, t'as fait pause, ça c'est ménard. Je suis obligé de le dire. Il a fait pause, j'étais concentré en train de te niquer. Non, mais mec, j'ai fait pause pour que les gens voient l'espèce de lune magnifique. Non, c'est nul, en fait. Elle était pourpre. C'est la dernière fois, mec. Ok. Regarde ce geste, j'ai plus qu'à faire ce geste. Donne-moi ton doigt là. C'est toi, Chiselle. Cette partie était déjà plus intéressante. Oh c'est chiant putain. Plutôt que celle qui arrive elle est infâme. Je me hais de l'avoir trouvé. Qu'est-ce que tu vas me faire? En vrai c'est plutôt cool, c'est un bon choix. Ouais grave. Pas être si méchant, plus, quoi. C'est le mec qui a fait le plus d'unanimité au monde. C'est le plus grand artiste de tous les temps. Moi je le ressens, je le fais découvrir à mes fils, c'est extraordinaire. Après la légende que je vais mettre. Salope. Oh non c'est horrible.
C'est que ça me fait mal parce que vraiment, écoute bien, j'aime tellement. Mais moi, je suis pas serein. Je mets une petite localisation. T'as mis quoi? Bon vent. Tu ne manques à personne, en tout cas pas à moi, sincèrement. Artiste surcoté. MJ, je t'envoie de l'amour, mec. Moi aussi, je t'aime tellement, merci pour tout, mais là... Merci pour tout, mais là, c'est horrible. Tu me permets de rire. Tu vas te faire défoncer, les vampires ont une grande fanbase. Un peu drôle, sans plus. Il s'agirait de gagner, hein, McFly, dans la partie suivante. Bonne répartie, en tout cas. Ah bah, bonne répartie, en tout cas. Vas-y, joue ta mère, là, tu vas voir. Je prends Yoda, tu vas bien fermer ta gueule. Ma mère est pas dispo dans le jeu. On va sur une autre planète, on va sur Kamino. Kamino, bien sûr, un endroit important où a eu lieu la première Star Academy. Viens, on prend des gens connus. Ok, vas-y, je prends Rey. Oh, Dark Maul contre Rey. Dark Maul. Alors, cette map, on l'avait déjà testée avec McFly, elle est juste incroyable. Je suis stressé, mec, t'es stressé de fou, là. Ça va très vite. On va tout de suite. Ça va très vite. C'est très médiocre. Ah oui, t'es pas ouf non plus, toi. Non. Oh, ouais, d'accord. T'es là. Ok, on y va, c'est parti. Ramasse. Oh, je peux pas, j'ai fait un truc merdique. Ah mec, j'ai envie. Ouh là là, j'ai failli tomber. Est-ce qu'on peut tomber? Non, je crois pas qu'on puisse tomber. On peut pas tomber, c'est... T'es tombé? Ouais. J'ai dit on peut pas tomber, t'es tombé? Oh mec, j'ai toutes les angoisses. J'ai enfin gagné, pas grâce à mon talent, mais grâce à sa merdique. C'est un peu un but contre son camp, quoi. Ah oui. C'est vraiment ça. Allez, c'est parti, Filtourtel. Alors, oh, une vengeance gratos, ça fait plaisir. Claque des mains. J'ai une petite idée très sympa. Je vais tout simplement te publier 20 photos blanches. C'est horrible, mec. Non, vraiment, non. Viens, on en parle. Et je vais écrire « Désabonnez-vous » à chaque photo. T'es fort parce que c'est méchant envers personne et vraiment chiant. Une première qui est publiée. Ça fait 5. 10 photos publiées. C'est long et chiant. Comme moi au pieu, quoi. Oh. Le sexe. Ah mais non, c'est quand c'est hyper cool, normalement. Ah ouais, parce que là, c'est négatif. Là, c'est négatif. Dommage. Et attention, voici la 20e photo partagée. Par acquis de conscience, je vais vérifier en les recomptant quand même. Putain, pour être sûr. Tu viens de recevoir un texto. Qu'est-ce qui se passe sur ton compte? Qui dit ça? Ornella. Putain de merde, les proches s'inquiètent. Ornella, vas-y. C'est horrible. Allez, grouille-toi. C'est incroyable, ça met 1000 ans. Non, cette gueule. Certaines personnes vont croire que je me suis fait hacker, quoi. Mais c'est une sorte de hacking, hein. Oui, hacking assumé. Hacking entre potes. Du coup, vu que c'est extrêmement long comme gage, j'ai une question. Répondez en commentaire. Dites-nous si vous avez aimé le film Épouse-moi mon pote. Nous, on donne pas de jugement, on vous demande. On n'a pas aimé. Regarde ton compte, mec, regarde bien ton compte. La vengeance, c'est un plat qui se mange bien. L'état de ton compte. Oh the single ladies. Je l'ai un peu travaillé. La Beyoncé cauchemardesque. Est-ce qu'on se refait quand même une petite revanche vu qu'on a pas eu le temps de trop de vade et que t'es tombé bêtement? Mais est-ce qu'on peut tomber? Non, je crois pas qu'on puisse tomber. Oh, regardez bien, je vais perdre aucun temps pour juste niquer ta race. Ah, et ouais. Désolé, j'ai rien contre les races, hein. Ouais. Par contre, c'est très stylé ce jeu, il est fou! Putain! Tu m'as buté. Je lui ai dévoré. Alors là, vraiment, mec, c'est vraiment un gangbang, mais seul. Ah ouais, là, j'avais la haine, mec. J'étais vraiment guidé par la haine. C'est là... vraiment le côté obscur. Le côté obscur. Ah. On va demander à McFly de prendre son téléphone en main lui-même et de faire un live où tu vas expliquer sincèrement quelque chose qui est à l'opposé vraiment de notre conviction, le réchauffement climatique. Et j'ai prévu un petit texte qui peut t'inspirer. Oh non. Ouais. Je compte sur toi pour être sincère, pour bien jouer la comédie, c'est important. Ah oh, putain, c'est dur ce que tu me demandes là. 3, 2... T'es sincèrement convaincu que c'est une bêtise. J'ai des phrases. Salut à tous, petit live, là ça fait longtemps. Oh, attends qu'il y a du monde. J'espère que voilà, il y a un peu de monde, salut. Il y a déjà plus de 200 personnes. Je suis passé en direct essentiel. C'est-à-dire que je suis passé en direct, sélectionné par Instagram, il y a 2000 personnes. Ce que tu veux dire, c'est sincère. Ok, ce que je vais dire aujourd'hui, je fais ce live pour vous parler d'un truc un peu sincère. Sérieux? Un truc sérieux, c'est le réchauffement climatique. Combien de personnes? Là, vous êtes plus de 2700. Et voilà, le réchauffement climatique, moi, je pense que c'est une cause nulle. Pour moi, c'est un coup monté des Chinois pour nous niquer notre industrie. Donc là-dessus, je voulais juste dire que je rejoins Trump. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord. On s'en fout de la planète et on s'en fout du réchauffement climatique. Vous êtes presque 3000. Salut, salut les gars. Attends, petit rappel. Ok, alors, petit rappel. Je ne crois pas au réchauffement climatique.
On est d'accord que je le mets pas en story. Si, je si, l'ai bien fait... sûr. Non, non, mec, s'il te plaît. Si, si, on va au bout des choses. On va non, toujours, mec, toi et moi, on va toujours au bout des choses. Mec, c'est horrible. Je viens vraiment de capter que j'ai 15 ans et demi, hein. Toujours. C'est incroyable. J'ai 31 ans, mais en fait, j'ai la moitié de mon âge. Oh, c'est ça. On peut jouer, j'ai envie de jouer. Ouais, là, mec, je vais te trucider. Ouais. Ok, c'est parti, la vengeance va être incroyable. Je vais pouvoir sortir vraiment de ma botte secrète. Quoi, t'as autre chose d'intéressant? Là, c'est la rigolade pour l'instant, ce qu'il y a eu. Ok, on y va. On change de planète, on va aller sur. Ok, on va sur Naboo. Là, c'était pas compliqué, je prends Yoda. Je prends Dark. Vador. Ah putain, Yoda contre Dark Vador? Les deux frères jumeaux, l'un contre ouais, l'autre. Ouais, ils se connaissent depuis, voilà, depuis la maternelle, hein. Bien sûr. Ok, je prends Yoda. Je prends Dark Vador. Magnifique. T'as vu le Karcher un peu? T'as vu comme c'est propre le sol? Attends, je regarde le sol. Regarde ce sol extrêmement bien là. Très propre. Regardez le plafond. Oh, magnifique. Tu as vu les dorures? Alors allons voir si, comme toutes les statues grecques antiques, il a une petite tub. Ah, ah, il en a carrément pas. Ah non, il a un slip. Il a mis un petit. Il a un mis petit un pagne. Slip. Il avait peut-être honte de son micro-pénis. Mais est-ce que c'est grave d'avoir un petit sexe? Non. Est-ce que ça ruine la confiance entre 14 et 18 ans? Ah non, 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 ça va. Est-ce que le fait d'aller dans les vestiaires et de se faire vanner par tout le monde et tout le monde te fait ah, c'est celui qui a une timide et en plus il est gros, est-ce que franchement ça marque une vie? Pas du tout. Est-ce que quand on va sur des sites porno, on se dit que les gens ont vraiment une bite deux fois plus grande que la nôtre? Voilà. Ah, est-ce que de pas réussir à faire donner du plaisir à des femmes, est-ce que c'est grave? Je crois pas, je crois pas. Ok, t'es là, fils. Oh, 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 quoi? T'es là, fils. Ah, il a la classe. Je t'entends respirer. Bah la porte, comment? Ah genre, alors regarde bien, ça mourrait de rire, Dark Vador ne peut pas ouvrir la porte. Oh, je peux l'abîmer. Regardez bien ce jeu là. Il y a le plus grand méchant de l'histoire qui est en train de taper dans une porte d'allemand. Il est ivre, clairement. Allez, je te nique ta race. Allez, 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 allez. Allez, t'es où? T'es parti. T'es là. Oh ah. Oui. Oui. Excuse-moi, j'ai vraiment de la joie, moi. La danse du bûcheron épanoui. Pika-Base, McFly et Pika-Base. Pika-Base, c'est le nom d'Aurélien, et c'est sa console, comprends, donc voilà. Pika-Base est invité, bienvenue au nouveau duo. File ton tel. Qu'est-ce que j'ai prévu? J'en ai un qui est très méchant. Le jeu de mots est bien, Star Wars. Non, n'essayez pas de changer de sujet. Soyons très francs, vous faites beaucoup de fanart de nous. Très beau, très stylé, il y en a plein qui sont très stylés. Et il y en a beaucoup qui sont moins stylés. Moi, j'ai fait un petit montage de t'as travaillé hier soir et tout. Oui, oui, des petits montages de toutes les fanarts que je trouvais les moins proches de toi. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas publier la photo en disant merci d'arrêter ce genre de fanart et faire une story en plus en disant écoutez, franchement, vous êtes sympa, sympa, mais arrêtez, vous n'êtes pas talentueux. Est-ce que c'est méchant? C'est odieux. On reçoit des très beaux trucs de partout et j'adore. Sachez que ça nous fait plus rire que ceux qui font des trucs bien, d'accord? Je te l'envoie par texto. On espère que ce concept vous plaît, n'hésitez pas à ne pas en demander un autre. Oh! La photo est arrivée! La photo est là, je vais écrire un petit message. Voilà, que tu penses sincèrement. T'as vraiment un diable en toi. Parce que t'es pas sympa. T'as un diable de Tasmanie. Putain, t'es le diable de Tasmanie! Excusez-moi, mais ce genre de fanart raté, c'est bien relou. Merci d'arrêter si vous n'avez pas de talent. Ça fait mal, c'est l'inverse vraiment de tout ce que je ressens, de toute la bonté que j'ai en moi. Mais moi aussi. Et pourtant j'ai des vices, hein. Mais alors là. On vous aime, désolé pour tous ceux qui ont fait ces fanarts, continuez, ne vous arrêtez pas, faites des Carlito ratés, c'est ce que je préfère au monde. Moi vraiment, c'est ce que je préfère. Les Carlito ratés, c'est un de mes cadeaux préférés. Mec, je ronge mes ongles en vidéo à cause de toi. Partagez. Maintenant tu vas plus soyer avec une petite story. Je tiens à dire, je fais une story vu que tu m'as pété mon iPhone dans la dernière vidéo. Une story un peu cassée. Regardez bien la qualité, vous allez voir. La qualité de la story. C'est Carlito, évidemment. Vous avez vu ma dernière publication, voilà. Je me référais aux gens qui nous envoient des dessins qui ne sont pas beaux. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. C'est gênant, c'est malaisant, comme disent les jeunes. Ce mot n'existe pas, vous me saoulez. Voilà, s'il vous plaît, stoppez le massacre. C'est encore plus violent ce que t'as dit. Oh là là, tout est horrible. Oh, Cyprien m'écrit. Qu'est-ce qu'il écrit? Tu t'es fait hacker Instagram. Oh oui, Cyprien, oui. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Il s'agit donc de la dernière partie. Je me rappelle à l'époque sur TweetFighter, on avait fait un truc déjà pas mal. On avait tweeté ton numéro de téléphone. Non, c'est tweeté? Ça me fait mal. Je peux pas refaire ça parce que vraiment depuis j'ai des géants qui m'appellent. Parce que l'étape postérieure, vraiment l'étape ultime, c'est de publier ta carte bleue parce que tu vas perdre. Mais du coup si tu perds, c'est la tienne aussi? Oui, mais ça n'arrivera pas. Ah ouais, ça n'arrivera pas? Ok, ça me plaît comme jeu. Oh là là. Donc on peut en plus publier deux photos sur Instagram, vraiment recto verso. Oui, on peut le faire, oui, bravo Instagram d'ailleurs. Je tiens à dire qu'on va publier la carte bleue du perdant, et qu'ensuite faudra faire opposition très vite. Ouais, faut appeler tout de suite, t'as le numéro pour faire opposition? Mais non, mais j'appelle ma banque quoi.
Ok, ça y est, j'ai le numéro. Je vais le rentrer. Tu sais quoi, je le rentre le numéro, on sait jamais. Je pense pas perdre, mais. Rentre-le quand même par sécu. On a tous les deux les numéros juste à portée de main. T'es prêt? C'est parti pour le dernier combat. Celui qui perd publie sa carte bleue. La pression est incroyable. Ok, on va sur une autre map. Ouais. On fait Bastard Killer. Vas-y. Quelle putain, mais quelle idée de merde. Ok, il y a Luke Skywalker, je termine avec Luke Skywalker. Le dernier combat, c'est Luke Skywalker, Dark Vador, mec. Ok. Regarde comme Dark. C'est quoi son vrai prénom? Anakin? C'est non, c'est Thierry. Thierry Vador. Thierry Vador, regarde bien comme il est badass quand il marche. Quoi? Oh ouais. C'est stylé, hein. Par contre, Luke, pas ouf. On m'appelle l'OVNI. Ok, allez, on arrête de rigoler. On sneak la gueule. C'est parti. Dark Vador ouais. Arrive. T'es prêt? C'est parti. Votre espoir vous a aveuglé. Ah, j'ai raté. Oh, c'est incroyable. Regarde la force, regarde, c'est stylé. Ah oui, ah oui, faut que j'en profite pour cliquer. En fait, t'as perdu aucun poids. C'est horrible, la puissance. Bim. La puissance des gentils. Bim. En dessus. Bah, putain. Ouais. Oh, je croyais que t'étais en train de perdre. La puissance des gentils en dessus. Ah, il y a très peu de points d'écart. Pika Base gagne. Bienvenue sur la chaîne de Pika Base invité. Mec. Ce moment, écoute bien la musique. Je vais avoir besoin de deux choses pour cette dernière étape. Ton téléphone, ainsi que ta carte bleue. On a déjà dans Mario carte bleue, fais les cartes bleues, viens on fait autre chose. Eh, faut se renouveler hein. C'est dans ces moments-là que je te hais complètement. Combien de fois je me suis fait défoncer aux jeux vidéo? Combien de fois j'ai perdu dans Mario Kart bleu? J'ai les pires trucs à chaque fois. Pour une fois, c'est la vengeance! Mec, c'est vrai que j'ai toujours les pires trucs d'habitude. Le téléphone, c'était moi, tous les pires trucs et carte bleue. Ok, la carte bleue est là. On voit bien les codes là-haut. C'est horrible, horrible, horrible. La photo est là. On va voir si certains d'entre vous, si les plus coquins, vont dépenser des choses. Ah, ça me fait un peu rire, mais je sais que c'est pas drôle là. Ça me nique ma race là. T'es prêt, mec? Va falloir faire opposition très vite. Grouille-toi vraiment vite. 3, 2, 1. C'est publié! Grouille, 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 grouille! Grouille, 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 mais moi ça me fait mal! Il est où le numéro? Regarde, ça me stresse! Il y a une petite musique d'attente! Allez, putain! Des gens achètent des consoles et des voyages! Dans le cadre de nos services et conformément à la loi informatique. Mais je m'en bats les couilles! Si on l'enregistre! Oui! C'est incroyable! Oh mec! Non, c'est la non, personne. Mec! Allô? Bonjour, pardon, excusez-moi, j'ai une vraie grosse galère, il faut absolument faire opposition. Je me la suis fait dérober, je sais que ça va pas. Voilà, c'est pas des gens gentils. Attendez, quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Flora. Vous okay. Êtes une belle personne, et pas au sens du harcèlement sexuel de Harvey Weinstein, okay. Au sens de l'humain. Flora, vous êtes incroyable, merci beaucoup. Souscrivez un abonnement, merci. J'irai sur mon relevé dans le avant le montage de la vidéo pour voir si des gens ont fait des trucs. Hein. Mec, c'est moi, ça m'a mis chaud, hein. Mais, ça m'a mis chaud pour toi. Mais c'est pas fini, là. T'as l'air en direct, t'es cool. On ne sait pas si les gens ont fait quelque chose, David. Il y a eu combien de temps? Il y a une minute trente, quoi. Une minute trente, c'est chaud pour aller choisir un truc, valider. Ouais. Ils prennent le truc, ils prennent un voyage, une connerie, tu vois. Ouais, mais un voyage, les dates et tout, faut se mettre d'accord. Tu oui, prends oui, un bien, comme bien. Ça. Des jeux vidéo, tu vois, des trucs. Ouais, mais si c'est un peu, c'est pas grave. C'est... Je vais aller voir les commentaires, hein. Dans toute ma douleur. Mais les gars, j'ai le pire Instagram de France. J'ai. Une vingtaine de photos blanches, des caricatures pas forcément réussies, aimées par Seb Lafrite. Seb Lafrite qui dit exécrable le mec sur les photos. Et la carte bleue est publiée, il y a des commentaires évidemment, 31 commentaires. Oh là là. Alors je voudrais préciser un truc, ne faites pas ça à la maison. Regardez bien, tout est fini là. J'ai acheté un skate, merci beaucoup. Merci Martin Richard. Putain, merde, non, j'espère que c'est pas vrai. Ah, putain. Ok, donc finalement, il y a quand même un jeu qui est assez stylé qui s'appelle Star Wars Battlefront 2 qui est génial et nous, on en fait de la merde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Souscrivez à un abonnement. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On s'en fout, t'as des ciseaux. Non, regarde, faut plier. Ça, c'est de l'histoire ancienne, ok? Ouais, tout ouais, ça, ouais. C'est fini. Ça fait mal quelque part quand même. Comment tu sais? Il nous a montré une technique de comment on cassait une carte bleue, c'est fou. Tu sais pourquoi? Parce que c'est très bien pour faire des médiators de guitare, si vous avez pas de médiator de guitare. Bon, ok, en tout cas, on se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas mon mini proverbe, on vous aime, vous nous aimez, c'est une réciprocité. J'espère que cette vidéo vous a plu, McFly l'espère aussi. Moi, ouais, elle m'a beaucoup plu. On va aller manger maintenant. Oh.